Merci de nous rejoindre sur le plateau d'Accès Direct. Il est 18h. Bonsoir à tous. Nous sommes ensemble pour une petite heure d'infos et de rencontres sur 8 Mont-Blanc au programme de ce mercredi 13 mars. Nous tâcherons de dresser un premier bilan des vacances de février avec Nicolas Rubin, le coprésident de Savoie Mont-Blanc Tourisme. Il me rejoint sur ce plateau dans quelques secondes. La saison d'hiver qui se poursuit en station, là, les carottes, course de chiens de traîneau qui se tient dans quelques jours en Savoie dans un esprit sportif et solidaire. Son pilier et directeur de course, le professeur Dominique Grandjean, sera sur le plateau. Il ne sera pas seul, vous le verrez. Et enfin, il prépare leur avenir tout en apprenant le métier de réalisateur, de cadreur. Le concours Je filme le métier qui me plaît mobilise plus de 60 000 jeunes partout en France. Clara y participe cette année. Elle me rejoindra avec l'une de ses enseignantes, Marjorie Defour. Et à 18h30, comme chaque soir, c'est le JT. Avec Clémence ce soir et Clémence qui me rejoint pour les titres du JT. Salut Clémence. Salut Fanette. On va commencer avec une fusion loin d'être simple. Oui, alors ici les communes de Seyssel fusionnées, c'est en tout cas ce qu'elles souhaitent. L'une est en Haute-Savoie, l'autre dans l'Ain. En fait, le seul problème, c'est que le département de l'Ain bloque pour le moment la situation. On fera le point dans ce journal. Et puis un petit tour du côté du salon de l'auto. Un petit tour du côté de Salon de l'Auto à Genève qui réserve quelques surprises cette année. Alors parmi les voitures de rêve, des véhicules électriques et insolites. Et là c'est Jean-Paul Crespi qui a déniché les nouveautés du salon. Reportage aussi dans le journal. On enchaîne avec notre revue de presse et on commence avec le loto du patrimoine qui a attiré ton attention. Oui, alors est-ce que tu connais la mission Berne, Fanette? J'ai oui dire. Tu as oui dire. Alors, ce n'est pas une mission impossible ou autre. C'est une mission de restauration du patrimoine, comme tu le disais, sous forme de loto qui est organisée par l'animateur Stéphane Bern, d'où le nom Bern. Vous avez certainement deviné. Alors, le but, c'est restaurer des monuments avec les gains du jeu, du loto. Alors, par exemple, il y a la chapelle Saint-Athlème de Chignin, la tour de l'horloge de la place Saint-Léger à Chambéry ou encore le château de la Ripaille à Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie. Ils font partie des candidats pour la mission Bern 2019. Il y aura seulement 100 places pour 1500 postulants environ. Alors, je prends l'exemple de la chapelle Saint-Athlème à Chignin. Il faudrait environ, par exemple, 1 million d'euros de travaux. La ville, elle, a déjà économisé 250 000 euros. Donc, si elle peut participer au loto du patrimoine, ce serait un vrai coup de pouce. Alors, la décision de la mission Berne doit être rendue avant la fin du mois de juin pour sélectionner les participants. Donc, on vous tiendra évidemment informé. Oui. Et puis une autre forme de patrimoine, un peu plus inattendue. Oui, je reste dans la veine. Du coup, pour cette revue de presse, j'ai fait tir groupé. Là, c'est un peu plus insolite pour le coup. L'ancienne gendarmerie de Saint-Pierre d'Albigny a été mise aux enchères sur Internet. Alors, son prix s'élève à 692 900 euros. Elle comprend 12 appartements, totalise 949 mètres carrés répartis sur 4 étages, c'est pas rien quand même. Un joli bâtiment, un immeuble à usage mixte d'habitation et de locaux professionnels. Les enchères auront lieu le 20 et 23 avril prochain. Alors, si vous avez envie d'investir, pourquoi pas dans cette ancienne caserne de gendarmerie, bah, c'est à vous de voir. Faudra peut-être refaire la peinture. La peinture, la façade. Donc toi, Fanette, tu nous parles de l'audience des télés locales. On commence par ça. Oui, une fois n'est pas coutume, on va parler de nous. Allons-y. Et de nous, mais pas seulement. Voilà, une infomédia qui est arrivée aujourd'hui. Vous êtes 6,4 millions de téléspectateurs à suivre chaque mois l'une des 20 télés locales, dont 8 Mont-Blanc. Des chiffres valables sur la période courant de septembre 2018 à février 2019. Donc 6,4 contre 3,8 millions pour la période précédente. Et chaque semaine, vous êtes 113 000 téléspectateurs à nous suivre à la télé en Savoie et en Haute-Savoie et 70 000 sur nos réseaux sociaux et autres plateformes numériques. Donc c'était l'occasion aussi de remercier les gens. Merci. Tout simplement. Merci, voilà, de votre fidélité, de votre confiance. On enchaîne avec une revue presse. Alors là, si j'ai le vertige, je ne suis pas censée regarder. C'est ça. Je ne sais pas, tu l'as le vertige? Non. Non, moi, non, je ne l'ai pas. Donc, c'est une belle image pour terminer cette revue de presse. Une image réalisée par Seb Montaz avec ses complices des Flying Frenchies qui ont l'habitude de nous offrir tout le temps des images assez impressionnantes. Et ce coup-ci, c'est Julien Millot qui est dans le rôle du funambule et du performeur. Et ça se passe tout simplement au-dessus de la mer de glace. Donc on regarde. Thank you.
Bon, inutile d'ajouter que ce n'est pas donné à tout le monde. Oui, Hein, ça parle rassure-moi, de il est soi. attaché là. Oui, je pense que oui. Je pense qu'il doit y avoir quand même avoir un bout D'accord. de quelque chose. Et donc, ça a été proposé par Montagne Magazine sur le site internet. Merci Clémence. Je te retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres. J'accueille maintenant mon premier invité, Nicolas Rubin, co-président de Savoie-Mont-Blanc Tourisme. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau d'Accès Direct. Merci à vous de votre Alors, invitation. les vacances de février sont terminées, en tout cas côté français. Elles représentent un tiers de la fréquentation sur la saison hivernale. Comment ça s'est passé, tout simplement? Ça s'est passé très bien, parce que la météo cette année était de la partie. Je crois qu'on peut dire un grand merci au ciel bleu qui a brillé sur Savoie-Mont-Blanc. La clientèle était bien présente. Hein, c'est une saison, je dirais, conforme aux normales saisonnières, si vous me permettez l'expression, avec une fréquentation soutenue, mais qui n'a rien d'exceptionnel, qui ne sort pas du lot. On a eu un très bon mois de février, la deuxième semaine très chargée, ce qui nous a permis de satisfaire à la fois les socioprofessionnels, partenaires des stations, et puis la clientèle, qui est d'une part une belle communication pour l'année prochaine, comme on l'a eu l'année dernière avec ces chutes de neige grandiose que l'on a reçu, qui nous permettent de faire une bonne communication sur la destination montagne. Là, les 3 semaines de grand beau, c'est une vraie carte postale pour la saison prochaine. C'est-à-dire que c'est plus vendeur. Parce que l'année dernière, on a vu beaucoup de neige, mais pas très beau. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il nous faut du beau temps, il nous faut de la neige au début de saison et du beau temps. C'est la recette la plus appréciée des socioprofessionnels pour l'économie des domaines skiables et des commerçants, des stations. Puis c'est aussi intéressant pour l'emploi, parce que derrière toute cette économie, il y a beaucoup d'emplois. Donc avec des stations équipées, hein, qui s'équipent en neige de culture, qui sont capables de garantir la neige à leurs clients, aux tour opérateurs, qui sont aussi très importants pour la destination montagne, avec une recette qui se compose en fait de neige, mais en suffisance, sans excès, et puis une météo particulièrement agréable, qui est le beau temps. Alors là, on parle des vacances de février, donc de la clientèle française. La clientèle étrangère, elle compte aussi sur cette période de l'année. Ils sont encore présents. On en est où? Oui, elle compte beaucoup, hein, la clientèle française, évidemment, mais sans les étrangers, l'économie des stations pourrait être mise à mal. Hein. On parle beaucoup d'anglais, de hollandais, d'allemands, des Suisses aussi, à proximité du territoire. Et vous en savez Et la quelque chose clientèle, et la en tant clientèle que maire de belge. Châtel? Oui, tout à fait. On a une belle clientèle suisse puisqu'on est à proximité. Mais évidemment, la clientèle étrangère compte beaucoup pour la destination Savoie-Mont-Blanc. On est à quelques jours là, du 29 mars avec l'échéance du Brexit. Cette nuit, le Parlement britannique a rejeté une nouvelle fois un accord. On le sait, la clientèle anglaise, c'est la première clientèle sur les stations, à peu près 40%, je crois, de la clientèle étrangère. Il y a un vrai risque pour l'économie du local? Oui, il y a une crainte parce que vous l'avez dit, la clientèle anglaise est une clientèle très présente, hein, sur la destination montagne, particulièrement en hiver. Elle est fidèle, il faut le souligner. Et puis l'effet Brexit fait craindre aux socioprofessionnels un changement peut-être radical, puisqu'il y a des stations qui sont très choyées par la clientèle britannique. Aujourd'hui, tout le monde est un peu dans l'attente de savoir quelle décision va être prise et surtout quel effet il va y avoir derrière cette décision. Parce que la décision, on l'imagine un petit peu, quel effet il y aura sur la fréquentation des Britanniques pour la destination montagne. Il y a une crainte, mais Mais pour le moment, aujourd'hui. il n'y a pas d'effet. Par exemple, sur cette saison, les Anglais étaient bien présents comme les années précédentes. Les Anglais étaient bien présents, je dirais, durant les vacances. On note un léger recul sur les acquisitions de biens, par exemple. Là, sur l'accès à la propriété en station, on avait une clientèle anglaise, je dirais, très intéressée pour avoir un pied à terre en destination Savoie-Mont-Blanc. On a ressenti un frein sérieux à cet endroit-là. Maintenant, sur la fréquentation touristique, sur les semaines de vacances ou entre les vacances scolaires, ça s'est senti de façon moindre. On note une tendance de plus en plus forte là au fil des années. À côté du ski alpin, c'est le grand retour du ski de fond, des activités voilà, ski nordique, du ski de rando. Est-ce qu'il y a un basculement qui se fait en termes d'activité et Non, donc un modèle économique qui peut changer
notamment dans station. La montagne est par définition une destination pluriactive. On offre un panel d'activités 360 degrés. Il y en a évidemment pour tous les goûts. Il y a des gens qui préfèrent le calme, la tranquillité, avec le ski alpinisme, le ski de randonnée, la raquette. Et puis il y en a d'autres qui s'adonnent aux joies de la descente avec l'utilisation de remontées mécaniques. Je crois que l'activité est très large. Les loueurs de ski nous font savoir que le ski de randonnée commence à attirer de plus en plus d'adeptes. Donc ils s'équipent en matériel de location et c'est des équipements qui sortent souvent du magasin. Ça veut dire que pour les sociétés de remontée, il y a une perte à gagner. Le chiffre d'affaires, il peut être menacé. Le terme était peut-être un peu fort, mais... Ça s'adresse quand même à une clientèle sportive. Il faut le dire, hein, parce qu'avant de descendre, il faut monter. La remontée mécanique offre ce loisir de remonter très facilement. Maintenant, non, je ne pense pas. Il nous faut aussi, en montagne, offrir un panel d'activités très large. Après, il faut organiser cette pratique. Le ski de randonnée est une pratique qui ne peut pas se faire en sens contraire de la circulation sur les pistes. Hein. Il faut encadrer ces pratiques. Plusieurs stations se sont lancées dans des itinéraires tracés, organisés et sécurisés aussi, il faut le souligner. Donc c'est des clientèles qui sont complémentaires mais qui ne peuvent pas se partager le domaine skiable pour une raison évidente, c'est qu'on ne peut pas envoyer des flux de circulation dans les deux sens. Nous sommes le 13 mars, est-ce que la saison est terminée ? Non, elle n'est pas terminée. On accède au printemps du ski, hein, qui est une saison qui est très appréciée de la part de nos clients parce que simplement la météo est là, la neige est là. C'est une saison où la garantie neige est assurée, le soleil brille, les gens vont beaucoup au ski le matin, puis ça donne à des loisirs un peu différents l'après-midi, où passent beaucoup de temps à travailler la couleur pour les vacances d'été sur les terrasses de restaurants. Donc c'est une ambiance particulière, mais qui est très appréciée. Il y a du festif autour du printemps du ski, on voit des concerts sur les pistes, et c'est une autre ambiance, complètement différente, mais là aussi qui intéresse beaucoup, beaucoup de skieurs. Et puis on va rentrer dans cette période-là, où les semaines et les week-ends sont relativement bien fréquentés. Pour la fréquentation, le chiffre d'affaires des stations, cette période-là, elle compte parce que sur les vacances vraiment d'avril, là on est encore un peu entre les deux, mais sur les vacances vraiment d'avril, je crois que j'ai vu le chiffre de 3% de fréquentation. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a un enjeu économique maintenant ou plus vraiment ? On est sur de l'image. Je dirais que la saison, là, il faut pas perdre les vacances de Noël. Hein. C'est une saison qui représente quand même une grosse part du chiffre d'affaires des exploitants de remontées mécaniques. On se rend compte aussi qu'à partir du mois d'avril, les usagers des pistes et les pratiquants désertent un peu l'activité ski pour une raison évidente, c'est que le printemps arrive et d'autres sports s'offrent à eux. Maintenant, le mois de mars reste très important sur le chiffre d'affaires des exploitants de remontées mécaniques. Puis avril, il y a encore du très bon ski à faire. Les stations ferment crescendo une à une, puis celles qui tirent jusqu'à fin avril, 22 avril de manière assez générale pour les sites de moyenne et de haute altitude, ça reste quand même aussi des conditions exceptionnelles pour skier. Bon, et ben voilà, rendez-vous est pris. Et puis l'opération Printemps du ski se poursuit avec des opérations spéciales, etc. Donc ça peut vouloir le coup de se renseigner. C'est une montagne festive qui va débuter maintenant. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Au revoir. Au revoir. Et puisque justement la saison n'est pas terminée, un exemple de ce que l'on peut encore voir dans nos belles montagnes ces prochains jours, la Lécarode avec Léca aujourd'hui qui a la gentillesse d'accompagner le professeur Dominique Grandjean. Alors avant de vous présenter, professeur, je vais vous laisser présenter Léca. Alors Léca, c'est une petite femelle Alaskan Husky qui normalement est toujours avec son copain Rod, qui lui est un gros Siberian Husky, mais il n'est pas là. Donc, et Léca, ça veut dire ? Alors Léca, en fait, c'est l'origine du nom Léca Rod. Quand je cherchais un nom qui sorte un peu de l'ordinaire, alors Rod, c'est en référence à l'Iditarod en Alaska, qui est la plus grande course de chiens de traîneau au monde. Et puis je suis tombé sur un dictionnaire franco-savoyard, donc j'ai cherché comment on disait chien, et j'ai vu que chien, ça se disait Léca en vieux patois bessanais.
Donc le nom était tout trouvé. Alors les présentations sont faites pour les cas. Pour vous, vous êtes le directeur de la course Les Carottes dont on va parler, le président de l'association, également professeur à l'École nationale vétérinaire d'Alfort, créateur de l'unité de médecine de l'élevage et du sport et accessoirement colonel à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris en charge des équipes cynotechniques de recherche de personnes ensevelies. Voilà, un homme bien occupé. Qu'est-ce qui distingue Les Carottes des autres courses de chiens de traîneau? C'est une course qu'on a voulu, c'est une compétition bien évidemment, puisque c'est une épreuve de la Coupe du Monde de la Fédération Internationale, mais on a voulu que cette course, elle véhicule des valeurs, tout bêtement. Donc déjà, il n'y a pas d'argent sur la course, c'est clair. Les gens qui viennent participer, ils participent pour le fun et puis pour le classement et une petite récompense à la fin, mais qui n'est pas financière. Tout le staff est fait de bénévoles à 100%. Et derrière une soixantaine de bénévoles, je crois. Oui, c'est ça, ouais, qui sont, c'est une famille, hein, je veux dire, c'est vraiment extraordinaire à vivre depuis qu'on existe. Et derrière ça, on veut véhiculer des messages. Alors le premier, c'est quelque part se servir de l'image du chien de traîneau, qui est quand même une image extraordinaire, parce que ces chiens sont en bonne santé, ces chiens courent longtemps, c'est très beau, pour montrer un petit peu au public que derrière ça, il y a aussi des chiens qui sont utiles à la société tous les jours. Vous l'avez dit tout à l'heure, moi je suis pompier, je m'occupe de chiens de recherche de personnes ensevelies. C'est des chiens qui sauvent des vies, quoi. Et c'est vrai que là, cette année, on va lancer ce qui est pour nous un gros projet qui regroupe l'école vétérinaire d'Alfort, la faculté de médecine de Créteil, la faculté de médecine de Beyrouth au Liban, qui est un projet de développement de chiens de détection médicale précoce sur une série de cancers et sur la maladie de Parkinson. Ça, c'est une activité canine, le dépistage, qui est en plein essor et pourtant qui est assez méconnue. En préparant cette émission, j'ai appris que les chiens peuvent dépister certaines maladies et notamment certains cancers. Voilà, grâce notamment... grâce à ça. C'est ça. non, le chien... Ça, c'est prouvé. Ah oui, mais il n'y a qu'à regarder ce que font les chiens au quotidien en matière de recherche d'explosifs, de stupéfiants, de personnes... les chiens d'avalanche, par exemple, hein, et puis de tout un tas de choses, de billets de banque, d'allergènes, de ceci, de cela. Et on s'est rendu compte, en fait, que tous les cancers, lorsqu'ils commencent à s'exprimer, les cellules secrètes produisent des molécules qui leur sont spécifiques. À partir du moment où une molécule est spécifique, ça veut dire qu'on peut la mettre dans le nez du chien. Donc toute la problématique, c'est de créancer, comme on dit, le chien à cette odeur. Et après, on va lui mettre, par exemple, sur les cancers de la prostate ou de la vessie, on va lui mettre un prélèvement d'urine, il va dire oui, non. Bon, ça ne veut pas dire qu'on va remplacer le dépistage classique, ça veut dire simplement qu'on aura de l'avance. Parce qu'actuellement, même les méthodes d'analyse les plus sophistiquées ne permettent pas de faire ça parfois plusieurs années à l'avance, quoi. Donc, il y a vraiment de l'avenir pour ça, chez nous, comme dans tout un tas de pays du tiers-monde qui, eux, n'ont pas les moyens de s'offrir des méthodes de dépistage sophistiquées. Il y a déjà des chiens, depuis des années, qui permettent de dépister de façon précoce ou de diagnostiquer des tuberculoses, par exemple, dans des pays comme le Mozambique ou l'Ouganda. Donc allons-y, je pense qu'il faut qu'on aille dans ce sens-là. Il faut leur faire confiance. Oui, complètement. Et du coup, le lien avec la course sur cette partie-là plus médicale, comment il se fait? C'est-à-dire que ça permet de sensibiliser, de faire connaître ses actions, de les financer, comment... Vous voyez, cette année, vous en êtes l'exemple même. C'est-à-dire que vous me permettez à moi de venir expliquer ce qu'il y a derrière et ce qu'on veut faire derrière. Alors bien évidemment, les choses, on va les structurer, essayer de motiver le public, comme de bien entendu. On fera en sorte que les carottes aussi... mettre au jeu, quoi, permettre de faire avancer le Schmilblick. Mais on est parti là pour 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de travail, est-ce que je sais. Donc, il fallait démarrer un jour, on a décidé de démarrer cette année. Puis en plus, cette année, on monte pour la première fois une course handisport. Bon, ce qui est quand même donc aussi ça, c'est un temps chose. D'aime. C'est ça, c'est-à-dire que là, on a un ami, Daniel Mélina, qui est une société qui fait des traîneaux, qui a travaillé sur la mise au point d'un traîneau spécial pour les personnes handicapées physiques. Cette année, on va lancer ces personnes en tandem, c'est-à-dire qu'il y aura un vrai mûcheur sur les patins du traîneau derrière, mais il ne fera rien. Il est là juste en sécurité, et puis si ça fonctionne, c'est une vraie compétition, là encore, elle est inscrite avec 3 jours de course sur Bessan. Si ça fonctionne, l'an prochain, on les lâchera seuls.
Alors, le parcours, on n'en a pas parlé. Le départ, ce sera donné ce samedi, des saisies autour de 17h15 pour une arrivée la semaine d'après, le dimanche 24 mars à Bessan. 9 étapes, 80 équipages au départ, près de 800 acolytes de l'ECA. Comment vous définissez le parcours, puisque l'idée, c'était dans le respect du chien et des athlètes aussi, des mûcheurs. On va être aux saisies Saint-François-Longchamp, à La Toussuire, à Bessan. Ce sont des sites avec lesquels on travaille, des stations avec lesquelles on travaille depuis pas mal de temps pour trouver des pistes qui soient les plus friendly, c'est-à-dire les plus sympas pour les chiens. On ne veut pas de pistes dangereuses. Et une piste dangereuse dans les Alpes, c'est quand on a une piste qui monte beaucoup et qui descend beaucoup derrière, parce que forcément, le chien se retrouve à freiner sur ses antérieurs. Donc ça, on n'en veut pas. Donc il y a tout ce travail en amont. Ensuite, on essayait de trouver au fil du temps les distances qui étaient les distances optimales pour, là encore, ne pas prendre de risques au niveau des chiens. Et on va toujours être entre 32 et 40 km. Ça fait un marathon par jour, mais c'est très bien pour eux. Et la dernière chose, c'est les températures. Alors, je ne vous cache pas que ces derniers temps, on avait un peu peur parce qu'on voyait le temps se dégrader, les températures ambiantes qui n'étaient pas terribles pour les chiens, parce que quand il fait plus de 5-6 degrés, ça devient très très chaud pour eux. La neige revient, le froid revient, donc voilà, c'est grand bonheur, quoi. Une quatrième édition avec, je suppose, vous en avez un petit peu parlé, plein de beaux projets cette année et dans les années à venir. Ah oui, c'est clair, je pense que... C'est qu'un début. On a fait une belle démonstration cette année. On a le club Les Carodes a organisé pour la première fois en France à Bessan, fin janvier, début février, les championnats du monde. De la discipline chien de traîneau. Il y a quand même 417 attelages, c'est un record absolu sur Terre. On a eu peur, on s'est fait la démonstration qu'on y arrivait, et dans de bonnes conditions, merci aux gens de Bessan au passage. Donc maintenant, on sait qu'en termes d'organisation, même s'il est complètement bénévole, eh ben, elle tient la route. Donc à partir de là, on va pouvoir véhiculer nos messages et puis faire avancer nos idées. Je crois que c'est ça qui est important. Eh bien, merci d'être venu les partager, ces idées, sur le plateau d'Accès Direct. Et puis, on tâchera de venir vous rendre une petite visite sur le terrain la semaine prochaine. Très volontiers, et vous attendons. Merci, et puis merci beaucoup à l'ECA, du coup, d'avoir fait le déplacement aussi. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, une autre belle initiative pour aller jusqu'au JT. Avec le concours, je filme le métier qui me plaît. Clara Sanchez, Perpina et Marjorie Defour me rejoignent. Bonjour. Bonjour. Respectivement élève de 3e et professeur d'art plastique au collège Paul Langevin de Ville-la-Grand. Et donc, vous participez au concours vidéo « Je filme le métier qui me plaît ». Enfin, tu participes et vous accompagnez en soutien. Alors, le principe, c'est un concours de création de films dédié à un métier. 60 000 jeunes y participent chaque année en France. Pourquoi, toi, tu as voulu y participer, tout simplement ? Parce que j'aimerais faire journaliste plus tard et que cette idée, même si on ne savait pas initialement qu'on allait choisir le journalisme, c'était vraiment axé sur la recherche dans le métier, sur un peu l'enquête, on va dire, plutôt passive, donc, parce que ce n'est pas la police. Mais, alors attendez, justement les joies du direct, tu vas découvrir ça quand tu seras journaliste, voilà. Donc pourquoi avoir voulu participer au concours Donc, c'était vraiment une initiative qui s'ancrait vraiment dans la démarche de la recherche, qui était une démarche assez journalistique, et que c'est vraiment ce que je veux faire plus tard. Et donc, même avant de savoir qu'on allait chercher sur le journalisme, franchement, c'était assez proche des idées qu'on a du journalisme, et ça m'intéressait beaucoup. Donc, 5 collégiens du collège participent au concours. Comment ça se fait, cette organisation-là ? Vous, votre rôle à vous, là-dedans ? Alors déjà, notre rôle, c'était de les motiver. Donc, c'est 5 élèves bénévoles qui ont souhaité participer. Et ça se faisait pendant le temps de midi et deux, parce que c'était le seul moment où on était 10 libres tous. Et donc, ensuite, on a démarché un certain nombre de journalistes. Parce que, comme Clara l'a dit... c'est la réalisation d'un court-métrage sur un métier particulier. Ils ont choisi ce métier-là. Pour Clara, c'était parfait. Je les comprends. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est super intéressant. Et donc, après, il a fallu travailler aussi les mercredis, beaucoup de mercredis après-midi, pour le tournage, le montage, et puis interviewer les journalistes qu'on a pu trouver.
dans une logique d'orientation, de préparer son avenir. L'outil du film, c'est un bon outil pour bien comprendre un métier. Alors là, celui de journaliste en l'occurrence, mais il y a plein de métiers, je suppose, très, très différents. C'est un bon outil ? Oui, franchement, ça va nous aider. Donc, ça va être inscrit dans notre dossier. Et donc, vraiment, l'idée de travailler en collaboration donc avec les personnes qui ont fait le montage et puis de pouvoir vraiment être dans l'interaction avec le public et puis de savoir se positionner une caméra, tout ça, c'est vraiment assez important donc, pour la suite. Ça peut aider. Dans le cursus d'orientation. Exactement. C'est je rajoute que ce concours, il rentre dans le cadre du parcours à venir, donc qui est présent au collège. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et là, c'est en partie l'Éducation nationale et l'État français qui a créé ce concours. Donc, ça rentre vraiment parfaitement dans les compétences et dans le socle commun qu'on peut trouver au collège. Ouais, là, on est dans une 12e saison. Exactement. Si donc, je ne me trompe pas. Donc, ça veut dire que ça fonctionne plutôt bien. Oui. Vous avez jusqu'au vendredi pour rendre votre film. Il en est où et à quoi il va ressembler, ce film ? Alors, donc on a vraiment fini toutes les étapes de ce qu'on appelle un peu de la partie acteur, donc où on est dedans, où on participe activement donc à la réalisation. Et ensuite, on travaille aussi en collaboration avec le lycée Jean Monnet, donc avec un professeur d'art plastique aussi, donc qui a donc deux élèves bénévoles de son côté qui ont vraiment réalisé le montage. Donc le film en soi, maintenant, il est fini. Et on est vraiment en train de réaliser juste la page du CD ou au clé USB, donc la page d'entrée. Donc, c'est la dernière ligne droite. Dernière ligne droite. Normalement, ça sera envoyé demain, un jour avant la date limite. Donc, qu'est-ce qui vous a appris ce film auquel peut-être vous... Enfin, quelque chose que vous n'aviez pas envisagé au tout début du travail ? Eh ben, honnêtement, franchement, on avait beaucoup d'idées reçues sur le journalisme. Et en fait, on a réalisé qu'on ne savait pas vraiment ce que c'était concrètement parce qu'on avait beaucoup donc, d'idées, de conception personnelle là-dessus. Et en fait, on a pu découvrir la vraie, enfin, ce que c'est vraiment le journalisme en soi, avec plusieurs professionnels qui nous ont appris. Après, on a appris aussi... Donc, il faut savoir que le film dure 3 minutes. Hein, donc, ça a été très difficile de faire les choix. Vous avez appris la joie de la sélection. Ce qu'on a tourné, on avait plus de 3 heures de rush. Donc, très compliqué aussi. Donc, compliqué pour eux, parce qu'ils étaient un peu frustrés avec tout ce qu'on a pu tourner, de se dire finalement, il reste ça. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, eux, de faire des choix, le travail collectif. Et puis être vraiment, ils ont été vraiment très motivés. Ils n'ont pas rechigné à venir les mercredis ou même aujourd'hui voilà, pour parler de plaisir, ce magnifique projet. Franchement, donc, c'était génial. Vraiment, c'était avec plaisir qu'on est venus et ça nous a appris beaucoup, beaucoup de choses aussi. Parce qu'on on a pu aller voir RTS, le plateau d'RTS à Lausanne. Et là aussi, on a pu rencontrer beaucoup de professionnels de spécialisations différentes et communiquer avec eux. Franchement, ça a été très enrichissant. Donc l'objectif du concours, là en tout cas de ce que je vois, il paraît rempli. Oui, complètement. Après, il manque plus que le 21 mai, donc c'est le jour de la cérémonie au Grand Rex à Paris. Donc peut-être avoir un clap de communication, d'or, d'argent. Voilà, donc ça c'est les différents prix, il y a un clap de participation. Donc si vous voulez soutenir les jeunes de Ville-la-Grand, il faut aller sur le site jefilmelemetiermequimeplaît.fr et on peut voter pour vous. Voilà, c'est donc notre vidéo elle s'appelle Speed News, donc il ne faut pas hésiter à partager et à voter pour notre vidéo pour qu'on puisse gagner le clap de communication. Et potentiellement il sera remis par le président du jury qui est Jean Dujardin. C'est ça, exactement. Cette année, ça gâche pas le plaisir. Exactement. Exactement, c'est un petit plus qu'on accepte volontiers. Donc, bien. Et ben donc, je redonne le site internet jefilmelemetiermequimeplaît.fr. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau. Vous pouvez le garder, ils le récupéreront en régie. Merci bien. Merci beaucoup. Merci. Clémence me rejoint maintenant pour un petit rappel des titres et on parlera de la fusion ou pas de Seyssel. La fusion ou pas, c'est la question. Si les communes voisines de Seyssel fusionnaient, c'est en tout cas ce qu'elles souhaitent. L'une est en Haute-Savoie, l'autre est dans l'Ain. Le problème, c'est que le département de l'Ain bloque pour le moment de la situation. On va voir ça dans ce journal. Et puis, on ira faire un tour du côté de Genève. Et oui, puisqu'il y a le salon de l'auto à Genève en ce moment qui réserve donc quelques surprises. Parmi les voitures de rêve, des véhicules électriques insolites. Et là, c'est Jean-Paul Crespi qui a déniché les nouveautés du salon dans ce journal. Merci Clémence. Ne bouge pas, vous non plus, moi non plus. On se retrouve dans quelques minutes pour le JT, juste après cette petite page de pub. À tout de suite.